D'ailleurs, aujourd'hui, on va se débarrasser de ça. J'ai besoin de me débarrasser de ce meuble-là pour aller chercher mon bureau. Je suis trop excitée. J'ai trop hâte. Ce soir, je vais aller chercher mon bureau pour enfin travailler. Voilà à quoi ça ressemble actuellement. Et le plus important, c'est que j'ai réussi à le faire passer dans ma chambre. Regardez, j'ai dû déplacer ça. Bébé, on t'a tellement attendu. Genre, j'en mets des vis et tout. Ah, je vais me foutre en l'air. Déjà, faut que je nettoie, c'est hyper sale.
fasse move comme tout à l'heure. Maintenant, il faut essayer de mettre celui-là. Le problème, c'est que je l'ai vissé. Les gars, je l'ai vissé. Je suis trop nulle pour ce genre de truc, moi. Oh là là, je l'ai vissé. Voilà. Par contre, je suis hyper déçue. Je vais vous montrer. Regardez. Regardez, c'est quoi ça? Enfin, moi, je pensais que ça allait être comme ça partout. Et en fait, c'est comme ça. Et c'est hyper dangereux. Parce qu'en fait, c'est des copeaux de bois. C'est plein de petits copeaux de bois. C'est hyper dangereux, je trouve. Mais sinon, genre, c'est vraiment très cute. C'est très cute, très pratique. J'aime beaucoup. Mais attendez, je vais vous montrer sur à quoi ça ressemblait. Je te jure, je crois qu'ils ont menti. Ils ont menti de ouf. Genre vraiment les photos, on voit pas que les finitions sont mal faites. Je trouve qu'on c'est flou, genre. Attendez, j'ai regardé les commentaires, ce que les filles elles ont eu. Est-ce qu'elles ont eu la même chose que moi ou pas? Ou bien je suis juste la seule tocarde qui a reçu un truc? Ah bah non. Non, tout c'est comme ça.
c'est la deuxième fois que je le remets. J'ai même changé la boîte parce que je pensais que c'était la boîte le problème. Et effectivement, ça a tenu beaucoup plus longtemps parce qu'elle était cassée la première. Ça a tenu beaucoup plus longtemps. Et je me rappelle que c'est un truc de fou parce que tous les jours on se regardait, j'étais en mode. Vous savez, quand vous êtes un petit peu sur les nerfs, quand vous êtes un petit peu tendu, parce que vous savez pas ce qui va devenir. Et en fait, le truc s'est écroulé hier, il est tombé et je vous jure, je sais pas quoi faire. Ça me ronfle parce que je me dis, c'est possible que l'autre il tient super bien, genre pas de problème, il est là. Et lui, non. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un message qui m'est passé et ça me fait. C'est horrible de dire, mais je sais que mon amour pour cette jeune fille n'est plus fort que jamais. Et que pour BTS, c'est un peu distendu, c'est un peu effrité. Je suis désolée les gars, mais je vous aime toujours, hein, mais... Et c'est trop moche, je suis choquée. Putain, l'idée était vraiment pas mal. Genre, l'idée est là. Eh, tu vas te tenir. C'est mieux. On va remettre ça pour voir. Vet's vibe. Bon, finalement, c'est trop mimi. Je suis trop fière de moi.